va maintenant parler d'un opéra hors du commun, un opéra qui a été fédérateur comme jamais. C'est de Cendre et d'Or. On en parle avec Alain Mercier. Bonjour Alain. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'opéra de Limoges et depuis plusieurs semaines ici, on suit parce que nous sommes partenaires, la création de l'opéra de Cendre et d'Or. Vous en êtes à l'origine. Comment est née cette idée atypique de créer de toute pièce un opéra avec des professionnels, des non-professionnels, des amateurs et surtout des enfants? Alors déjà, c'est notre mission. L'opéra, généralement, est vécu comme un outil de rayonnement, puisqu'on travaille à l'échelon national, voire international. Mais c'est aussi notre mission de travailler sur le territoire et d'essayer de faire en sorte d'associer la population. C'est aussi une nécessité de préparer le public de demain, de le développer. Et voilà, donc c'est déjà cette première idée. Et puis, on avait déjà eu une expérience en 2012, où on avait déjà fait un premier projet qui s'appelait La jeune fille aux mains d'argent, mais qui était un projet qui était venu de l'extérieur, qui avait été apporté par l'ensemble Téléma, qui était un ensemble de musique contemporaine de Marseille, et qui donc avait apporté la partition toute prête, etc. On avait travaillé sur une durée d'un peu moins d'un an. Alors que là, vous avez tout créé. Voilà, alors là, on voulait recommencer, mais on voulait partir vraiment de zéro, de façon à ce que ce projet soit complètement fabriqué ici à Limoges. Alors tout ça se passe bien sûr à Limoges, avec des écoles de Limoges et des alentours. En plein cœur de Limoges, hein, l'opéra est en plein centre de la ville. En quoi ce projet est un projet participatif ? Alors il est presque plus que participatif, parce que les enfants ont été associés, je dirais, dès les premiers mots et dès les premières notes de ce projet, puisque lorsqu'on a commencé en octobre 2015, on n'avait rien. Il fallait tout écrire, livret, la musique. Voilà. Donc les enfants, les trois écoles, Roussillon, Vignal et Couzex, ont participé dans le premier trimestre grâce à la collaboration avec les enseignants et en relation avec Thomas Gornet, le librettiste, à l'écriture en fait de cette version, je dirais, peut-être un peu réexposée de Cendrillon à l'aune de la société d'aujourd'hui. Alors justement, de ça il faut parler, Alain. Cendrillon, c'est bien sûr le conte de notre enfance. Sauf que vous venez de le dire, il y a des échos, il y a des résonances, des parallèles avec ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce qui a été l'un des déclencheurs de ce projet, trouver dans ce personnage-là des résonances avec notre société actuelle. Oui, lorsque j'ai rencontré Sally Gallet, qui est la compositrice, en 2014 à Bordeaux, on a eu une première discussion et je lui avais dit si on faisait un travail en création, je souhaitais qu'on essaye de réexaminer en fait un thème qui pourrait parler en fait aux enfants, mais à l'aune de la société d'aujourd'hui, et ne pas tomber, je dirais, dans des choses trop mièvres, voilà, et donc de vraiment poser les vraies questions. Donc très vite, l'idée de Cendrillon nous est apparue comme celle qui était peut-être la plus simple, le canal d'entrée. On a fait un petit test à l'époque, Eve Christophe, qui a formé les jeunes pendant 2 ans au chant, travaillé sur des projet avec des écoles à Bordeaux, et elle a fait un petit test auprès de ses élèves. Elle leur a posé la question, pour vous c'est quoi Cendrillon aujourd'hui? Elle les a enregistrés puis elle m'a envoyé ça. Et je me suis rendu compte que très vite, à la fois, il y avait encore même dans cette génération, le mythe était toujours extrêmement présent, le conte était toujours là, et en même temps il y en avait déjà des développements très spontanés. La place de la jeune fille dans la société, voilà, dans les familles. La famille recomposée, les questions sociales. De genre, les questions effectivement de changement de classe sociale, même si à la base le conte de Cendrillon est aussi une question de reconnaissance de l'enfant par rapport à ses parents. Alors, l'idée de tout cela, c'est un peu de transversalité avec des professionnels et puis des néophytes. Et là, la perméabilité des deux a été remarquable. Maintenant, on peut le dire, au bout de 2 ans, ça a fonctionné. Oui, ça, je pense que c'était vraiment... C'était vraiment l'enjeu aussi de ce genre de projet, parce que nous ne sommes pas un conservatoire, nous ne sommes pas un établissement d'enseignement, nous sommes une maison d'opéra, une maison de production, oui, un établissement de spectacle vivant. La particularité des projets qu'on peut mener à cet endroit-là, c'est de mettre les enfants face aux artistes directement, qui plus est là, face aux créateurs déjà dans un premier temps. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, parce que les personnes qui ont l'expérience de la scène, évidemment aussi l'expérience de mener des projets pédagogiques, ont un impact, ont une puissance et voilà, sur un temps court. 2 ans, c'est long, mais en même temps, c'est court à l'échelle de la construction musicale. Et ça, c'était vraiment le point de départ de ce projet. Alors, samedi soir aura lieu la première en public à l'Opéra de Limoges. France 3 est partenaire. On suit la fabrication, on pose nos caméras dans des coins et on regarde un petit peu tout ça. Et vous allez voir un moment assez privilégié, parce que c'est la première fois qu'on montre ces images-là à la télévision. Peut-être que même vous ne les avez pas encore vues, Alain. Regardez chez vous. Oh, laissez-moi
Je suis un livre, un film, un dessin animé. Ma tête est sur une sacrée pitrousse d'écolier. Je ne suis qu'une photo, une icône dorée. Je pleurais tellement, tellement, tellement mon écolier. Paris réussi. Oui, je pense que le pari est assez bien réussi. Mais au-delà du résultat du spectacle, évidemment, que nous devons réussir, hein, parce qu'on s'était mis cette ambition tout de suite d'essayer de faire quelque chose qui soit, qui puisse être présentable dans la saison, hein, comme n'importe quel autre spectacle. Mais c'était aussi, je pense que ce qui est très important, c'est le chemin qui a été parcouru pour arriver jusque-là. Et je pense que c'est ce qui va laisser aussi énormément de traces. Mais je pense que le temps de la représentation face au public, et déjà hier, c'était la générale, les enfants se sont retrouvés face à une petite chambrée de test, je dirais, et on a vu, je dirais, l'impact que ça a eu sur eux. Alors, le 2 cendrés d'or, c'est samedi soir et c'est à Limoges. Et puis, prochainement, sur France 3, vous découvrirez de nouveaux reportages et bien sûr, ce spectacle-là qui est une belle création. Il se passe des choses partout dans les opéras et l'opéra est moderne, vous le prouvez en faisant tout cela, et aussi transgénérationnel. Merci beaucoup, Alain, merci.